Bonjour et bienvenue dans notre compagnie. Comme vous le savez, nous sommes en quête d'un directeur marketing. Moi, je m'appelle Monsieur Sibi Mohamed Lamine, je suis le DRH de cette compagnie. Et voilà. Pour commencer, j'aimerais vous demander d'abord quelles sont vos qualifications. Je me trouve belle, je pense que ça suffit largement. Bon, moi, j'aime mes pattes, les vieux. J'aime mes pattes, j'aime mentir, agresser. C'est vraiment mes épreuves, même. Oh, pour parler des qualifications, j'en ai tellement. Parce que dès l'âge de 4 ans, j'ai monté mon propre ordinateur. C'est-à-dire que j'ai monté l'ordinateur pièce par pièce. De la carte mère jusqu'à l'unité centrale, j'ai monté tout dès l'âge de 4 ans. Et puis à 12 ans, j'ai eu un diplôme qui me permettait d'aller étudier à l'université de la NASA. Mais bon, je n'ai pas voulu être astronaute. Et puis, je pense qu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu un doctorat en doctrine philosophique. Voilà. Ah bon, donc vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que le scepticisme? Le scepticisme, c'est le fait de faire les choses 7 fois 7 fois, genre 7 7 scepticisme. Il y a des fois dans les jeux vidéo, tous les types de jeux vidéo, ballon, motard, combat, tout ça, et puis résoudre les puzzles, et puis il se fois dans énigmes aussi, tous les énigmes du monde. Moi, je peux résoudre ça. Ah, ok, vous êtes bon avec les énigmes, d'accord. Voilà, il y a 500 briques dans un avion. Une brique tombe de l'avion. Il reste combien de briques? 499 briques. Bien joué. Comment mettre un éléphant dans un frigo en trois mouvements? On ouvre le frigo, on met l'éléphant, puis on ferme. D'accord. Et comment mettre une gazelle dans un frigo en quatre mouvements? On ouvre le frigo, on enlève l'éléphant, on met la gazelle, et puis on ferme. Bien joué. Bon, le lion, le roi de la forêt, il organise une fête chez lui. Tous les animaux sont présents, sauf un animal. Lequel? La gazelle. Pareil, elle est toujours dans le frigo là. D'accord. Bon, il y a une vieille qui traverse une mare aux crocodiles. Seulement, elle ne se fait pas manger par les crocodiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, il n'y a plus de crocodile dans l'eau là. Parce que les lions ont organisé fête, non? Tu dis que tous les animaux sont partis. Ah, plus rien dedans. Avec le dedans. D'accord. Mais quand même, la vieille, elle meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, salamé. Elle s'est noyée. Bah non. Tu te souviens des 500 briques qui étaient dans l'avion et puis il y a une brique qui est tombée. Bah, ça atterrit sur la tête de la vieille. Imbécile. Ok, voilà. Nous avons besoin d'un directeur marketing. Est-ce que vous avez de l'expérience en vente? Hein? Quelle question. Moi, mais chaque nuit, je me vends. Oh, c'est ça qui parle du soir. Ah, il a vendu, vendu de mon vieux, de mon papa. Il a vendu son iPhone. Il a vendu sa vie de ma maman. Allez, mais maintenant, mets ton téléphone qu'elle a la même. Mets son primaire, tu veux plus, tout de suite là. Bah oui, j'ai déjà vendu des moteurs à réaction à la NASA. Et puis, même la montre d'Emmanuel Macron, c'est moi qui le lui ai vendu. Donnez-moi trois de vos qualités et trois de vos défauts aussi. Comme je le disais tantôt, je suis belle, attirante, sexy. Non, mais trop belle, quoi. En fait, c'est ça un peu mon défaut, quoi. Parce que tu sais, l'excès, ça nuit. Donc, comme défaut, je peux dire que je suis trop belle. Non, mais trop, quoi. Tu vois, souvent, je suis en train de marcher comme ça. Puis les voitures, les chauffeurs et tout, ça me regarde. Ça crée des embouteillages et tout. Moi, je peux dire que ça aussi, c'est mon défaut. Et puis aussi, je suis trop gentil. En fait, je suis trop, mais trop gentil. Parce que j'ai tellement connu des hommes qui m'ont brisé le cœur. Mais bon, je crois toujours en la présence d'un homme qui me montrera aux yeux du monde, qui dira que je suis sa princesse et qui me mariera. Je crois toujours en cet homme-là. Donc, je suis toujours fort aux hommes. Puis bon, voilà quoi, je suis un peu trop gentil. D'abord, j'ai une panoplie de contacts à travers le monde. Je déjeune avec les présidents, je dîne avec des princes et tout. Et puis, j'ai le troisième QI le plus élevé du monde. Mais les deux autres, juste avant moi là, ils sont décédés. Donc, actuellement, c'est moi, je suis l'homme le plus intelligent de la planète Terre. Et puis aussi, je suis un très bon marketeur. Parce que, vous savez, j'ai réussi à vendre
le téléphone portable, si je me rappelle bien, le téléphone portable de Donald Trump à Vladimir Poutine. Alors, comment est-ce que ça se passe? En fait, à cause de la crise économique, Donald Trump n'avait plus l'argent. Donc, il voulait vendre son téléphone portable. Donc, je suis rentré en contact directement avec Vladimir Poutine grâce à mes nombreux contacts dont je vous en ai parlé. Et puis, j'ai réussi à lui faire aimer la montre et il a acheté la montre de Donald Trump. Et l'argent qu'il a donné pour acheter la montre de Donald Trump a servi à renforcer l'économie américaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Amérique est la première puissance du monde. C'est un peu grâce à moi, à disons 98%. Bon, qualité. Ouais, et ça a graissé. Diplôme. Plomb. Diplôme. Plomb. J'ai dit diplôme. C'est un plomb qui dit, il n'a qu'à dire non. D'ailleurs, sortez de mon bureau.